Alors, 2 minutes, et voilà. Bonjour à tous, c'est les Gomans. Donc aujourd'hui on continue le gameplay sur Lego Batman 1. J'allais dire encore une bêtise. Le cinéma, le film. Je l'ai téléchargé carrément. Le dernier a bien sorti. Ouais. Donc tu peux me laisser parler, merci. Non, pas lui d'ailleurs. Non. Non, bon, je recommence. Bonjour à tous et à toutes, c'est Lego Man. Donc aujourd'hui on va continuer le gameplay sur Lego Batman 1. Donc la dernière fois on avait fait sur version les niveaux mais version vilain. Hein? Alors je viens de découvrir un truc, c'est tout. Là, le véhicule s'ouvre, mais ils mettent pas la flèche. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas fait le truc en mode héros, on peut pas y aller en mode vilain. Donc tant que j'ai pas fait l'histoire du Joker en mode héros, je peux pas faire en mode vilain. Là c'est pareil pour le Pongo. Là par contre pour le Sonic. Bon ben voilà. Allez. On va continuer. J'avais peur. J'ai cru qu'il était pas le Sonic. Allez, sur les roches. Allez. Donc la plaine, je vais faire un petit peu. Sur ton panier. Brise, viens à toi. On sort acheter une petite glace. On a besoin de ton canon congélateur, mais il est congelé dans son ancienne usine. T'as froid ou t'as peur? En fait, à chaque fois que je fais une vidéo, je fais un petit planning des vidéos que j'ai faites, donc voilà. Il est aux toilettes, le sphinx. Non, c'est pas trop ça qu'il voulait montrer, je crois. Voilà. Congeler le bonhomme. Ah ouais. C'est pas décongelé, on est des idiots en froid. Toi tu m'étonnes. Ouais, je congèle. Waouh. C'est bien chopé, ouais. Allez, pong. Yes. Attends un peu, Edward. Car c'est son vrai nom, Edward Enigma alias Sphinx. On peut pas le véhicule. Tiens, on va les sous. Oh, il y a plein de mille. Et merde. On peut sortir au moins. J'ai peur là. Non, c'est bon. Wow. Il est fâcheux, le Mr. Freeze. Il porte bien son nom, ça. Lui. J'ai dit vraiment un truc dans le niveau 1 qui est bien froid. Il frise quoi? Il frise le ridicule? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il frise un peu le ridicule. Il frise un peu le ridicule, Mr. Freeze. Il frise les joueurs. Non, pas trop, parce qu'il est complètement chauve. Donc, voilà. Alors, il a une... Alors, si vous voyez, il y a une petite traînée verte, ça veut dire qu'il peut marcher dans les déchets toxiques ou marcher pile ou face dans le mode histoire, là, dans le dernier niveau du Sphinx. Donc, en fait, ça, donc en gros, Mr. Freeze, il n'est pas si ridicule que ça, hein, parce qu'il a une super force et il est utilisé contre les toxines. Donc, ça fait lui un personnage pas très sympa quand on est des héros et quand on est des vilains, vraiment utile.
Zut, je saute pas très haut moi, faut que je fasse le tour. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai entendu mille après. Ah non, ça me donne un peu. Quand t'es bien, t'as le même. J'abuse un peu, là, franchement. Mais bon. Mister Freeze, va les congeler, ces andouilles. Hein. Je sais plus utiliser ça pour dans les jeux Lego pour dire pour parler des hommes de main quoi. Si on doit combattre, je sais plus si c'est Steam ou Dr. TV qui les appelait des idiots. À chaque fois qu'il y a des méchants, ils sont, ils disent ah tiens les idiots comme ça. Voilà. Même s'il a raison. Ils sont complètement débiles. Ah merde, il y a des caoutchoucs, on ne peut pas. Allez, on se retrouve. Mister Freeze, il faut créer des plateformes jolies sur la surface des liquides. Appuie longuement sur terre quand tu vois des flocons de neige sur la surface du liquide. Ça filme toujours au moins. Hein? Ça filme toujours. Donc ça ne passe pas le coup du lapin, là, comme tout à l'heure. Non, tout à l'heure, dans deux vidéos, j'avais fait des vidéos, mais ça n'avait rien filmé en fait. Là, c'est bon. Tout à l'heure. Ah si, celle 2. Celle 2. Non, non, elle n'est pas mieux aujourd'hui. Celle de Lego Harry Potter. J'ai dû la reprendre deux fois. J'ai fait le niveau deux fois. Alors, un coup, ça faisait batterie faible, donc j'étais obligée de recharger, de remettre le truc. Puis ensuite, 5 minutes après, qu'est-ce que ça me met? Le monde saturé. Je dis, youpi. Bon, voilà, maintenant, le tout, c'est que ça marche. J'espère que ça a filmé le truc entier. J'ai peur là pour la vidéo. Non mais j'ai peur que ça passe comme tout à l'heure. On va voir pourquoi ça passe, là, ça marche. Mais qui est con, c'est Mister Freeze. Bon. La batterie est pleine alors. Ah c'est bon alors. Oh non, il y a des idiots. Moi je prends cette expression en fait pour dire quand il y a des missions. C'est 8 minutes. 8 minutes ? C'est déjà pas mal. 9 minutes. Bon, on verra. 9 minutes 10, déjà. C'est quoi ça ? Un ouvrier d'usine ? Voilà. Donc j'ai fait une toute petite pause. Voilà, voilà. Et donc, alors, un truc que, voilà. C'est la dernière fois sur... Je ne sais là, plus tu quoi. Vois un petit écran. Et c'est bon. Tu vois le haut et le bas. Oui, donc, la dernière fois, je ne sais plus sur quel truc c'était. Je sais que c'était sur Internet, c'est tout. C'est tout ce que je me rappelle. Il y avait... quelqu'un ouh là là qui avait dit que
moi je ne sors pas d'ici de toute façon. Donc, que les briques rouges, des escorts x 2, x 4, x 6, x 8 et x 10 sont dans les 5 niveaux du Sphinx version vilain. Ça veut dire que dans ce niveau-là, c'est le score x 4. Dans le niveau juste avant, c'était le score x 2. Et ensuite, dans les 3 autres niveaux, ce sera le score x 6, x 8 et x 10. Donc c'est pour ça que je vais en priorité... Voilà, là, il faut passer. Donc c'est pour ça que je vais en priorité refaire ces niveaux-là en mode jeu libre pour pouvoir essayer de débloquer les scores x 2, x 4, x 6, x 8. Ensuite, essayer de les acheter. Donc c'est celle-ci que je vais refaire en priorité. Hein? Quoi? x 2, x 4, x 6, x 8. Et x 10. Non, pas du tout. À la fin, quand on a tous les multiplicateurs, quand on a tous les multiplicateurs, on a fois 3840. Mais oui, parce qu'en fait, à chaque fois, on additionne pas, on multiplie 2 fois 4. 8. 8 fois 6, 48. 48 fois 8, 384 fois 10, 3480. Ah, la fin du niveau. Enfin, parce que je commence comme un cul. Ah, mais t'as pris. Oh non, mais c'est pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais fait aux flics? Il n'y a pas qu'on est une bande de criminels. Qu'est-ce que j'aurais fait? Il n'y a pas ce que je viens de dire. Alors les nuls, je suis là. On me voit pas là au moins. Ah, il y a un mini-kit. Je suis un traître. Ah, j'ai tué tous les flics. Et je m'en fais tuer en même temps. Donc bleu. N'importe quoi. Bon, Oui. Tiens, on fait le carrément congelé. Et voilà. Niveau terminé, jeu libre débloqué. On avait bloqué Mister Freeze. Eh, ça fait deux niveaux d'affilée où on a les 100% quand même. Hein. Voilà, le super kit vilain. Je ne vois pas du tout ce que c'est dans la voiture, mais bon. Et voilà. Donc, Asile d'Arkham.
Alors là, ça me déplaît beaucoup. Si, j'ai le choix. Voilà, là, j'ai les deux têtes de cul. J'ai les deux seules têtes de cul de la bande. Pourquoi faut que ça tombe sur ces deux-là? Mais, en fait, ça aussi, je me suis renseigné. Les méchants qu'on débloque dans les niveaux, ils sont tous ici. Ils viennent tous ici, mais les méchants principaux, hein, pas les hommes de main ou les truands ou les voilà. Pas les subordonnés. Oui, je raconte moi. Oui, les méchants principaux. Qu'est-ce qu'ils fous, lui? Et tête d'andouille, qu'est-ce qu'ils fous, là? Oui, non, mais je sais. Donc, là où il y a les personnages principaux. Donc, pas les subordonnés et compagnie. Hippo. Ça veut dire l'espagnol hippo. Hippopotame. Ok. D'accord. Et alors, ok. Ah! Je tengo el hippo. J'ai le ok. Oui, bon. Je filme toujours. Je filme toujours. Tu rigoles de quoi là? Bon alors. Donc voilà, là dans les niveaux on a débloqué ces trois bonhommes. Le Sphinx, Mr. Freeze et Gueule d'Argile. Pardon. Donc voilà, je vais finir avec j'attends que Mr. Freeze revienne. Mr. Freeze, c'est pas chic? Allez. Excellent. Oui. Mr. Freeze. Bon, tu veux pas finir? Comme que... Bon. Il est fâché. Il est vexé, il ne veut plus venir. Bon, voilà. Bon, ben... ciao. Ah, please. Non, c'est pas du tout ce bouton-là que je veux.